et Sandrine. Ta chaussure-là ne se plaint pas souvent. Regarde, toi qui portes ta chaussure, c'est la chaussure-là qui te porte. Tu es toujours en train de me moquer des gens. Ne fais pas ça. Attends un peu, toi-même, tu vois comment. Toi, tu te portes, le sac te porte, la tenue te porte, la chaussure te porte. Regarde ma copine. Bientôt, le vent va te porter. Souciez-vous de ma chaussure, ne vous souciez pas de vos notes. Chimala, deux à match. Commission garde. Il va y avoir monsieur le copain. Raïssa Chimala, on ne peut plus laver un chat. Noir. Ah, quoi, grand-père, on va vite te récupérer. Non, mais ne pas là, lui-même. Je lui ai dit que je voulais avec sa collègue au professeur de maths de meurtre. Qui ne me dérange pas. Du moment où je suis pour en français, non, moi, ça me va. Mais ma peau, tu as fait voir. Moi, attendez, donc parle comme ça, là, le grimace est déjà fini. Donc nous sommes là, ce sont là les congés de Noël. Hein. Hey, Jou, mes congés préférés. Passons, pas passons. Mon cadeau de Noël, je ne souffre pas de rien. C'est quoi ton cadeau de Noël? Une vieille fille comme toi. Pourquoi? Mais oui, non. Que maman blague alors? Je suis d'avoir enfant unique, son premier et son dernier marché. Donc, elle n'avait même pas tenté de jouer à mon cadeau de Noël. L'année passée, elle m'a dit que oh, tu as une vieille fille de première, tu fais encore pas mon cadeau de Noël, machin, tout ceci, cela. C'est ce que j'ai fait. J'ai pleuré. En tout cas, moi, non. Le cadeau de Noël, ça ne me dit rien. Vous savez ce qu'il y a dans ma tête. Ce sont des congés comme ça, là. C'est seulement le spectacle de fin d'année, là. J'ai mis les organes. Oh, le spectacle, comment tu te souviens encore le spectacle de l'année passée? C'était la guerre, la mort, mon Dieu, la chine, ma la chine, pas la chouane, la chine, chouane. Oh, c'était spectaculaire. Tu te rappelles comment était à la maison du parti là-bas, non? Comment était d'abord derrière là? Je dis que j'ai crié. J'ai crié, non, il voulait seulement atterrir sur la scène là. Défaut de taille. Ça va aller, ma copine. Tu vas exaucer ton souhait cette année. Non, mais vrai que le spectacle là était magnifique. Aïe, ma copine. Et tu te souviens des danseurs qui dansaient. La puche que John aime faire là. Que, elle casse un chat. Elle fait waouh. Et tu dis qu'il y a les gars qui ont fini avec la puche là-bas, ma copine. On passait seulement à toi. On criait ton nom. Crie, Diane, où Diane, où Diane, Diane, où Diane, où. On avait mal au cœur comme tu n'étais pas là, je te jure. Cette année qui sera un spectacle alors. On va encore inviter les musiciens. Ah. En tout cas, musicien, oh, humoriste, oh, peintre, oh, moléon, oh, machin, chuchu, oh, je m'en fous, moi, ici, c'est le spectacle. L'année, c'est sera avec vous, il ne faut même plus rater ça. Après, tu rencontres même les gens. Non, bébé va m'acheter le billet. Mon bébé va m'acheter le billet. Non, mais, ton billet qui chiche là. Il est chiche avec les inconnus. Tu vas voir, il va m'acheter mon billet. Vous blaguez même, non, il serait parmi les premières places. Il faut que l'année prochaine, moi aussi, je raconte des choses de cette année. Vous blaguez, mais vous allez me manquer. C'est quoi, vous ne me croyez pas? Non, je te crois, non. Elle est avec toi. Ouais, ton père, il est gentil, non? Oui. Il va m'acheter le billet, vous allez voir. On va se raconter ça l'année prochaine. Mais, dis-moi un peu, ça là c'est la greffe ou c'est la perruque? Ni la greffe ni la perruque, c'est un tissage, non, on a tissé directement avec mes cheveux, tu vois pas, regarde. Ah, c'est sur ça qu'on met la perruque, Non, ok. Là, je ne veux pas comprendre, tu ne vas jamais mettre ça sur ta tête, ah. Laisse tomber. On ne sait jamais avec les temps qui coussent là. Et toi aussi. Sinon, ta journée a été... C'était bien. À la pause, mais je voulais passer dans ta salle, mais je me suis rendu compte que vous étiez occupé. Oui, le pauvre d'histoire nous a confisqué notre pause. Il était là, il bavardait, il disait qu'il voulait finir le chapitre. C'est même le coup suivant qu'il a chassé. Si le pauvre là ne venait pas, c'est que le pauvre d'histoire ne sortait pas. Rien de ça, ta journée était quand même. Oh, c'est là, c'est comme toutes les journées maintenant. Maintenant, là, on attend seulement les congés. On attend les congés de fin d'année. Ça attend d'arriver, que le cycle arrive vite. En parlant de congés, le spectacle de cette année, tu sais même que c'est Urich Takam qui a son spectacle l'année-ci. Qui ça? Urich Takam, non, l'humoriste, là, il fait son one-man show à Yaoundé à Douala. Bon, ouais. Je te jure. Ça va aller vite. Ah. Et je voulais qu'on a... Ça va partir, non? Oui, oui. On va partir. Voilà, tu vas donc nous acheter les billets. On part. Hein? Tu vas acheter les billets, non? Acheter?
Oui, on vend le bien. Toi, tu voulais entrer à Banjo. Avec tout le talent, là, il va faire les entrées. Comment? Mais comment? Comment lui aussi peut vendre les biens? Et qui? Avec tout le talent, là, il va faire ça. Et qui? Pardon, achète-nous les biens, on va partir. Pour te dire, moi, particulièrement, en fait, s'il faut acheter là, je. En réalité, moi, t'as quand même de me faire parier. C'est. Je trouve qu'il force un peu trop. Il n'est pas naturel. Tant qu'on ne te fait pas rire, comment c'est son français que tu ne comprends pas ou bien c'est qui ne te fait pas rire? Lui-même, il complique d'abord le français. Pourquoi? Mais tu sais qu'on ne peut pas aussi faire rire tout le monde. Lui me fait déjà rire. Donc si je ris, sache que tu ris. Dans les spectacles, la plupart du temps, ce sont les hommes qui paient le ticket et les femmes qui rient plus. Ah bon? Donc paye-nous alors le ticket, non pas. Non, donc tu vois que si c'est que tu payes ton ticket avec ton agent, tu vas rire doublement, non? Non, au contraire, si je paye le ticket avec mon agent, ça va me faire mal. Je vais seulement calculer l'argent. Par contre, si c'est toi, ouh, je vais rire sans retenir, ça va un vieux goût. Paye-nous alors le ticket, non bé. Ok, payez le ticket. En fait, même, pour te dire vrai, je ne vais pas passer les congés ici. Je vais passer les congés de Noël. Il y a ma tante Abafoussam qui a dit que oh, elle veut que je l'aide à récolter son haricot. Tu vois, elle sème le haricot, c'est à sec. Et du coup, il faut aller, on va taper le haricot là au champ directement. On ne recolte pas avant d'aller taper sécher à la maison. On va taper au champ directement. Parce que si on part à la maison avec les filles, ils vont entrer dedans. Mais tu peux dire à ta tante que tu voyages le 17, non, après le spectacle. Non, elle a regardé son programme. Elle sait qu'il doit venir dès qu'on donne les bulletins, là, moi et pas. Donc vraiment, ça va être compliqué. Donc tu préfères me laisser ici là, comme ça là. Ça va aller au spectacle. Bon, ça va. Tu vas partir donc au village. Paye ma part alors. Toi, tu pars. Paye mon billet. Toi, tu pars donc au village. Que quoi? Tu payes mon ticket, non? Toi, tu pars récolter ton haricot, non? Donc, moi, je paye ton ticket. Donc, en fait, tu me demandes de t'envoyer à la Bendy populaire. Donc, je t'envoie à un endroit où je sais qu'on va te draguer. Je passe seulement rire. Tu passes seulement rire, quoi? Tu n'as pas suivi le dicton qu'on dit que. Une femme qui rit est à moitié dans ton lit. Donc ça veut dire que moi et finance, c'est pour que tu partes dans les lits des gens. C'est ça que toi tu veux. Est-ce que ton capitaine dit qu'il va faire le spectacle avec les lits? Il va faire avec quoi? Donc toi tu vas rire. Oh, le dicton, une femme qui rit à moitié dans ton lit. On disait ça à eux pourquoi? Donc moi, il doit payer le spectacle. Moi, je suis là. Tu ne peux même pas réfléchir que non, tu peux partir avec moi. Si ta tante, on l'aide à récolter son haricot comme ça, elle profite et te voit. Non. Toi, tu vas aller au spectacle. Donc, ta mère qui est ici, elle ne me connaît pas. C'est seulement ta tante du village qui va me connaître. Ma mère, est-ce que c'est pressé? Est-ce qu'elle est obligée de te connaître? Ma mère, elle est ici. Là. Un jour, tu peux te lever, tu fais semblant comme si tu venais remettre le cahier. Elle te voit. Mais ma tante, tu vas la voir où? Donc, tout ça parce que tu ne veux pas me payer. Tout ça, je ne sais pas qu'elle ne veut pas te payer le billet. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, le programme de ma tante est sorti. Et puis, ta femme ne me fait pas rire. On se voit le soir, Le soir avec qui? Donc, elles auront le billet. Moi, je vais rester comme ça là sans billet. Parce que ta femme ne te fait pas rire. Où est le rapport? Où est le rapport? Moi, il me fait rire. Ta femme ne me fait pas rire. Dis que tu n'as pas l'argent. Il laisse les gens. Diane! On se débarrasse du genre, c'est comment? Depuis que tu appelles là-bas, il y a quel problème, non, Diane? Il y a quoi? La journée était. Même si ça n'a pas été, tu vas changer quoi dans ça? Bagrobi, tu veux quoi parle, je t'écoute. Comment tu es tout bizarre comme ça? Oui, quand j'appelle aux gens bizarres, je suis obligé d'être bizarre, parle! Je ne me perds pas le temps. Bon, ça va, moi je vais te raconter une histoire aujourd'hui. Les stars et les histoires de cœur. Tu sais même qu'il fait chaud. Je sais qu'il fait chaud, mais écoute-moi quand même, non? Quand, regarde un peu le mariage de Eto avec sa femme s'appelle comment? Georgette. Tu ne connaissais pas Georgette. Ils sont partis en Italie, se sont mariés, c'était comment? C'était magnifique, tout le monde parlait de ça. Regarde maintenant la cérémonie des Grammy Awards. Quand Jay-Z et Beyoncé entrent, ils sont comment? En complet. C'est beau, ça reflète l'amour, l'union, la solidarité dans le couple. Regarde même nos frères ici, Tenor et Eunice au Canada, ils étaient comment? Complet. Moi, je veux que tu sois ma femme. Oui, un peu comme Nyangono et sa femme qui sont dans les problèmes. C'est toujours beau. C'est beau, c'est l'amour. Bon,
Moi, je n'ai pas la possibilité de te faire voyager, découvrir le monde. C'est que tu n'es plus ici, toi-même, tu le sais. Mais j'ai quand même la possibilité de faire en sorte que toi et moi, nous soyons en complet, complet. Et pour ça, j'ai créé un lieu spécial où toi et moi, effectivement, on sera en complet, complet. Je te laisse le choix entre la falaise d'Aïmon à Douala et la place Saint-Josué à Yaoundé. Tu choisis quoi? C'est quoi ça? Eh, tu ne connais pas, ce sont les biens du One Man Show du Ustakam. Le 9 décembre à Douala et le 16 à Yaoundé. C'est 5 000 et 10 000 les passes, mais moi j'ai pris 10 000 VIP pour nous deux. On sera en complet, complet. Tu choisis alors quoi? Dis-moi seulement où tu veux, on part. Allez. Je ne suis pas intéressé. Tiens, Yuri Sakam, c'est ton numéro préféré, non? Il ne me fait pas rire. Je pense qu'il force un peu trop les choses. J'ai même fait quoi, fils? Tiens, il y a quoi? C'est quoi? Oh non, je suis obligé. Je t'ai vraiment payé le ticket. Hein? Tu manques à qui payer le ticket de 10 000 dans ta famille. Il y a quoi derrière moi? Tu me veux quoi? Je suis en couple. Et tu connais mon gars. Donc lâche-moi. Même si tu fais n'importe quoi, là, je ne vais même pas m'intéresser à toi. Donc s'il te plaît, excuse-moi. Si tu veux le complet, complet. Nous sommes en complet, complet. On est dans le même établissement. Donc tu me lâches. Si tu veux, va aux autres de vos petits. Allez, ton complet, complet. La fille s'est dit que Richard Kam ne fait pas rire. Tu te lasses seulement avec l'eau du haricot, maman. Le succès ne te trouve pas chez toi, les orteils détendus. La vérité, c'est qu'elle te trouve sain tant que tu saignes ses langues tordues. Mais dès que le soleil brille, on brouille ton image comme si le succès était défendu. Puis dès que tu réussis, on crie wow, wow. C'est monté, c'est descendu. Hôtel a vendu sa mère, hôtel a acheté ses pères. Tu critiques, mais le doigt que tu agites est pour des exemples des gens qui agissent. Les chutes qui se relèvent toujours. Toi-même, tu sais quand la galère te gère. Les courages font de la sous-marine quand c'est dur. Car je ne pouvais pas, je te jure. Mais dès que toi, tu réussis, on crie wow. C'est quel jour? Mercredi. Tu ne dois pas aller quelque part. Mais je vais partir au marché après. C'est le marché que tu veux déjà faire. Tu n'as pas cours de répétition aujourd'hui. Ah, moi, c'est déjà la fin du trimestre. Non, ne pas plus. Je vais encore partir faire coco. On va bientôt remettre les bulletins. Quand le trimestre est fini, l'année est finie. L'année scolaire est finie, maman. Parce que Charlie, tu peux au cours. Maman, regarde, tu veux partir pour moi, t'as été d'abord quelques jours. Comme on va nous remettre les bulletins la semaine prochaine, non? Et c'est ce qui va passer parce que j'ai eu les bonnes notes. C'est ce qu'elle t'aime, non? Il t'aime beaucoup, beaucoup. Parce que vous l'avez appris, vous n'avez pas dit à vos enfants qu'elle t'aime. C'est pas comme si on vous punissait. Moi, elle t'aime, c'est un enfant modèle. Maman, tu veux quoi, maman? Non, moi je t'aime pour rien, non, ok. Faut pas te dire que je t'aime. Moi je t'aime. Moi regarde, comme les vacances de Noël approchent, non. Toi, si tu peux te fâcher comme ça, là, tu m'offres un. Regarde. Cadeau comme ça, là, petit. Le spectacle de quoi? C'est le spectacle du riche Takam, non. C'est un humoriste. Il fait trop rire. Mais les biens sont même déjà disponibles. À Douala, non, on peut avoir ça à Bonanjo, à l'hôtel La Falaise, ou alors African Food, à Bonamoussa dit, oui, et à Britannia Shop, à la Cité des Palmiers, ou même ici à Yaoundé, dans tous les Santa Lucia, on peut avoir ça. Comme lui-même est fini, normal, on peut partir acheter lui, et puis on profite, on prend mon ticket. C'est le proviseur qui organise ça. Non, ma Dieu, pour bien faire l'école, il faut rire. Ça adoucit les mœurs. C'est que tu es ma maman, non? Offre-moi ça, normal.
Ok, on va faire quelque chose de très simple. Tu as dit quelle étiquette là coûte combien? Il y a 5 000 et 10 000. Ok. Bon. Nama. Ah? Tu sais que je t'aime, non? Oui, je t'aime, maman. On remet les bulletins la semaine prochaine. Oui. Si tu m'apportes un bulletin ici, première de la classe, 18 de moyenne, je t'achète le ticket de 10 000. Si je suis 42e, si 50 comme ça, tu peux m'acheter le ticket de 5 000, non? C'est seulement le ticket de 10 000 que je vais t'acheter. Viens avec le bulletin, première, 18 de moyenne, tu as le ticket de 10 000. Regarde, même si je suis peut-être même dans les 30 comme ça, là, tu peux acheter, non? Nama, j'ai dit que c'est le ticket de 10 000 que je vais t'acheter. Tu peux me dire ça dès le début d'année, non? Ou bien l'année passée? Là, maintenant, là, c'est mort. On peut en plus trop tard. Ma, regarde, je peux, même dans les 20, quelque chose comme ça. Emma. Ma. Même 26. Si tu veux le ticket, sort premier. Deux, c'est moins quatre, facteur de 1, facteur de 3. Hein? C'est ta madame, c'est comme ça que tu me manques chaque jour. Je te manque comment? C'est faux ce que tu as en train d'écrire là, qu'est-ce madame. Qu'est-ce que j'ai un droit en début d'équation, attends, justement, en début d'équation comme ça, là, tu manques à les gens, maman. Je te manque comment, j'ai un droit en début d'équation. Justement, tu as quoi en début d'équation et tu manques à les gens. Toi-même, regarde comment c'est faux. Laisse, attends, la boca est pleine de discriminants. Quand tu parles de discriminants, quoi, Diane? Donc, parce qu'elle ne connaît pas la mathématique, c'est comme ça que tu me manques chaque jour. C'est faux ce que tu as écrit là, toi-même, regarde ça. Bécaré, moins 4, AC. Attends, mais jusqu'à là, tu veux expliquer quoi? Toi-même, donc, non seulement tu écris mal, mais tu es encore les fausses. C'était ça, mais tu vas te laisser continuer. Donc, t'as sur la main, et tu connais ton consacré sur ce qu'on veut te faire être consacré. Ce qu'on ne veut pas, moi, donc tu me manques de doigts, c'était ce que tu as fait. Non, mais c'est faux ce que tu as écrit. Toi-même, regarde, c'est bien faux ce que tu as écrit. Tadam! Humoriste, pourquoi pas? C'est le tigre du spectacle de cette fin d'année. J'ai déjà mon ticket. Bon, c'est vrai, je pouvais bien prendre pour 10 000, mais voilà. Bien insister qu'on prenne pour 5 000, donc je suis la première à avoir le ticket. J'ai parfois comme l'impression qu'en bas, c'est un peu bête, genre, je comprends pas. Attends un peu, donc, toi, tu crois que tu es devant plus que qui? Oh, ya, ya, ya. Ouais, hey. Ta-da! Ça y a le bien. Oui. Madame, tu es la première à avoir le ticket. Ah, ma copine, tu vois peut-être qu'elle a bien marché là-bas. Voilà. Tu te rappelles la dernière fois que nous sommes partis au marché, non? Oui, j'avais acheté une longue robe comme ça avec la fente jusqu'ici là. C'est parce que non, je ne veux pas un truc qui va mouler mon corps. Donc je vais porter la robe là. Ça, je vais rire. Ah, ma copine, moi non. Je voulais porter la bottillon de Lady Boss avec un matelot ici là. Mais après il a dit que non, ça va être un spectacle de musique ou bien de danse. Donc je vais porter une robe évasée. Parce que quand il y avait rien senti qui va me bloquer genre là, hein. Donc tu veux aussi porter la robe comme moi? Nous sommes les cons, non? Ah, c'est quand même. Mais ma copine, il faut qu'on arrive là-bas, toi, on prend les bonnes places. Tu sais comment on a dit que ça commence à 19h là, non? 14h va me trouver là-bas! Hein? Ah, mon copine, 14h, tu auras faim, hein? J'ai faim de quoi? Je vais manger à la maison. Tu sais que j'attends le spectacle ici depuis, non? 14h va me trouver là-bas. Même si, Diane! Nama! Hein? Oui? Le consultant a dit que Ben devait te donner le ticket, non? Il a fait comment? Ben,
il est d'abord, il est malade. Et l'autre fois, il avait donné son argent à sa mère non de garder. Comme les mêmes souvent qu'elle avait les agents des enfants là. Donc, il est en train de négocier pour voir si sa mère peut lui donner son argent. Là, il va m'acheter le pied. Mais j'ai demandé à ma mère, elle a dit que je suis parmi les 20 premiers. Elle va me donner le billet de 10 000, je peux même être parmi vous. Devant vous, n'allez pas avoir le VIP comme ça, comme les blagues. Nama, tu n'as pas le bien, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Donc, j'ai encore espoir. Non, ah, dis que tu n'as pas le bien, on va comment tu vas t'aider? Il n'a pas le bien. Ouais. Comment tu peux trouver le bien? Voilà, on peut cotiser pour elle, non? Sur la page de Irish Takam, on a lancé le challenge là-bas. Tu connais sa chanson qui chante que Nadège, Nadège, où tu me manques. Voilà la chanson là, non. Tu fais la vidéo où tu es en train de danser sous la pluie, ton son en faisant un pompeux pour gagner le ticket. Ou bien tu prends un de ses sketchs, non. Tu fais la chorégraphie de ça sur un arbre avec les bras ouverts comme ça là. Après, tu vas gagner le ticket, ma copine. Non, je fais la chorégraphie sur sa chanson et puis... Ou bien sur son sketch, non. Mais tu es pêché sur l'arbre. Si tu fais ça, tu vas gagner le ticket. Je vais tout faire pour avoir le ticket. Nadège, où tu me manques. Nadège, où tu me manques. Et puis comme toi, ne pas te bamber. Pourquoi tu es parti? Et puis comme toi, ne pas te bamber. Pourquoi tu es parti? Tu vas nous souiller, 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 souiller. Tu vas nous souiller, souiller. Si, 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 tu vois, c'est, genre, c'est la chanson, c'est qu'il faut pour le challenge. Disons, la scène challenge là sur la toile, non. Tu dois chanter le son si, sous la pluie, torse nu, en faisant les pommes. Ou alors, comme il a voulu innover, non, genre, comme les chorégraphies, on fait seulement les chorégraphies avec les chansons. Il voulait qu'on fasse donc, une chorégraphie avec un titre de ses sketchs, non. Sur l'arbre, il a proposé le manguer comme c'est un peu plus solide parce qu'il ne veut pas reprendre des accidentés. C'est ça, j'ai commencé facile. Ah. Et tu comptes faire ça? Oui. Oui, je vais faire donc. Et puis, moi, je vais plutôt faire la vidéo sous la pluie avec les pompes là en dansant aussi. Torse nu, ça que je vais faire. Torse nu. Oui. C'est facile, tu sais que la danse c'est ma chose, non? Il n'y a pas mon dé à l'établissement, non? Quand vous voulez faire ma chose, je m'applique. Pour un ticket de spectacle. C'est le spectacle de Takam. Donc, la petite amie de qui? Comment? Attends, tu entends même ce que tu es en train de dire là? Tu entends même ce que tu as envie de faire là? Donc tu veux que quand on revienne des congés, que ce soit mon nom qui soit partout dehors, que à la rentrée là tout le monde est en train de se moquer de moi, que oh, tu as vu ce que Dago a fait, et en plus de ça on va faire les vidéos, ça va rester sur les réseaux sociaux. Tu veux me souiller? Tu ne veux pas seulement te souiller toi, mais tu me souilles aussi. Tu viens faire des trucs ridicules pour une histoire de biais. Donc c'est un peu comme si tu allais te placer sur le podium de Caravane Mobile et tu te mets à danser pour le t-shirt. C'est quoi que tu veux faire comme ça? Donc, tu pour un gars, tu veux faire quel challenge? Il pourrait pas lancer les bons challenges. Et tout ça pour un spectacle d'un gars qui ne fait même pas rire. Attends, depuis que je suis parlé là. Donc, toi, ton souci, c'est que je ne dois pas te souiller, c'est ça? Tu sais pas que le ridicule même déjà c'est le fait de ne pas pouvoir m'acheter le billet. Hein? Moi en tant que ton ami, ta petite amie, je bénéficie de quoi? C'est toi, tu ne m'amènes pas à la cantine. Les restaurants, tu ne connais pas. Même les balades romantiques, les gens que tu sens au moins que tu es en relation avec quelqu'un, rien. Un petit ticket, un événement qui se prépare depuis le début d'année. Les gens que tu commences même à cotiser 100 francs, tu allais avoir la somme demandée.
rien. Tu ne fais aucun effort. C'est seulement les cravaux champagne que tu me dis que non, il faudrait que ma famille te connaisse. Le billet, un petit billet de 5 000. Tu es incapable de m'acheter un petit billet de 5 000. Tu dis que ta femme ne fait pas rire. Tu fais rien. Fais-moi alors rire. Fais-moi rire, non? Est-ce qu'il a dit que je connaissais? Non, parce que tu crois que faire rire, c'est facile. Les gens que tu as placés comme ça devant les milliers de personnes, tu fais rire les gens. Fais-moi rire. Est-ce qu'il a dit que c'est facile? C'est toujours quelqu'un qui ne connaît pas les difficultés de l'autre. Tu crois que c'est un travail assez difficile pour faire rire quelqu'un. Tu ouvres ta bouche, tu me dis que tu ne fais pas rire. Tout le monde a le biais. Tout le monde. Un événement solennel. Un événement aussi populaire. Même Sangrine, c'est son billet qui a acheté le biais. Il voulait même acheter pour 10 000. C'est lui qui a dit que non. Achète pour 5 000, on économise l'argent. Tu as la chance, on va me dire que tu as 2500. Quand je complète, tu ouvres ta bouche comme le ridicule. Tu vas me faire ridiculiser. Les pauvres, les foirés ont peur du ridicule. Le simple fait d'avoir, de ne pas avoir l'argent, tu sais pas que je suis honte. Tu vas me faire ridiculiser. Les gens vont parler de toi sur la toile. Tu as même la chance. Parce que le challenge là, c'est seulement sur le gardien. Parce que ici, ils me disaient même que c'était sur le poteau électrique. Haute tension, j'allais monter pour avoir le pied là. Chouin comme ça là. Foiré. J'ai rien avec ta bouche, j'ai rien avec tes dents. On est obligé de rire des mêmes choses. Quand tu ne connais pas comme ça, toi tu peux faire rire quelqu'un. Diane, tu sais qu'elle ne veut pas que tu sortes ici. Pourquoi? C'est parce que tu ne m'as pas écouté. Le challenge a terminé, c'est moi qui ai gagné. Je me suis ridiculisé pour nous. Tiens le pied. C'est le vrai pied. Tu as dit que tu ne me dis pas de plus quand il fait calmer mes intestins avec le papadage. C'est le vrai ticket. Mon bébé. Moi, je vais me vanter qu'il était au spectacle. Mais tu sais quand même que tu as un choix, non? Diane, me veux voir ticket doute, ma soeur. Ça va, là, tu es mon choix, chou. Ils ont fait les tickets sur là, ils ont même signé sur ça. Le Japon ne peut même pas falsifier. Tu penses que si on leur donne le ticket de 5 000, ils peuvent faire entrer 2 personnes? Que quoi? Non, on va encore te ridiculiser pour toi maintenant.